Nous ne sommes pas obligés de passer par la même route pour rencontrer le même Dieu. C'est le même Dieu, mais nous passons par plusieurs chemins. C'est le même Dieu, mais il y a 7 chemins où on peut le trouver. Alors arrête de dire, voilà, comme tel, il a vaincu Goliath avec la pierre. Moi aussi, il faut la pierre. Tout le monde n'utilise pas la même chose. Pour David, c'était la pierre. Pour toi, ça peut être la prophétie. Pour toi, ça peut être la déclaration prophétique. Pour toi, ça peut être un seul jeûne. Chacun a sa pierre. On appelle pierre, mais le contenu n'est pas la même chose. Alors ne m'impose pas ta délivrance. Ne viens pas me dire, non, pour ce genre de choses, il faut absolument que tu ailles dormir par terre. Et puis mon frère, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la diversité d'opérations. Voilà pourquoi j'ai pitié de personnes qui pensent qu'on peut cloisonner Dieu. Quand tu vois Dieu opérer, tu dis, ça ce n'est pas Dieu. Parce que dans notre église, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui opère de plusieurs manières. D'ailleurs, je prophétise au nom de Jésus, il va opérer cette année d'une manière que tu n'as pas encore vue, d'une manière que tu n'as pas encore saisie, d'une manière que tu n'as pas encore entendue. J'étais en train de parler, il va opérer cette année dans ta vie, d'une manière que tu n'as pas encore entendue. Même dans ta famille, tu n'as pas encore entendu. Tu ne peux pas courir à l'église alors que ta maison est sale. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu n'as pas préparé pour ton mari. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu n'as pas organisé la vie de tes enfants. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu as laissé des ordures dans ta chambre. Tu es ça, mais tu te présentes dans l'église avec cravate et chemise. Et quand ton père va dire non, parce que ton père voit quel type d'homme tu es en train de devenir, tu vas venir à l'église dire, tu sais maman, moi mes combats, papa ne m'aime pas, papa me combat beaucoup. Le problème c'est que tu es tellement orgueilleux que tu ne vois pas que même quand on veut t'aider, toi tu trouves des raisons pour t'échapper. Quand tu nourris les bonnes pensées, même si on t'envoie le lion, tu sortiras. Quand tu as les bonnes pensées, même dans la fournaise ardente, tu sortiras. Shadrach et Meshach sont sortis pourquoi? Parce qu'ils avaient des très bonnes pensées. Attention avec ce que tu écoutes là. Les pertes de temps avec le théâtre là. Attention, écoute les prédications. Écoute les choses qui nourrissent tes pensées. Qui te rappellent qui tu es en réalité. Même étant dans ce corps mortel, qui tu es en réalité. Qui est ton Dieu en réalité? Quelle est la position d'Adonai en réalité? Quelle est la position de ton Dieu en réalité? Je déclare d'ailleurs au nom de Jésus que cette année, les hommes se bousculent pour te faire du bien. Que cette année, les hommes se bousculent pour te faire du bien. Que les hommes se bousculent au niveau de l'Amérique. Qui se bousculent au niveau de l'Asie. Qui se bousculent au niveau de l'Europe. Qui se bousculent au niveau de l'Afrique. Oh, que les hommes se bousculent pour te faire du bien. Disent en tout cas c'est moi qui dois faire du bien à Lionel et personne d'autre, et que quelqu'un d'autre vienne dire non, moi j'avais pris l'idée avant toi. Que les hommes se bousculent comme si on allait les payer. Que les hommes se bousculent comme si on allait rendre quelque chose. Je crois aussi que ton allié est puissant. Je crois aussi que ton allié est puissant. Ton allié n'est pas un homme. Il ne porte pas le pantalon. Il ne porte pas la robe. Il ne porte pas les vêtements. Il porte la gloire comme un manteau. Ton allié, il ne mange pas le pain. Il ne boit pas de l'eau. Ton allié consomme la foi. Tu es un allié puissant. Tu es un allié redoutable. Tu es un allié vivant. Ton allié, la terre ne le connaît pas. La terre ne le maîtrise pas. Lorsqu'il entre sous la terre dit, ça c'est le maître, il faut le sortir. Ton allié, son corps ne pourrit pas. On a cherché le corps, on n'a pas vu. Jésus est venu, il a parlé à Marie. Mais où est le corps qui a été crucifié? On n'a pas vu ce corps. Ton allié est redoutable. C'est-à-dire chacun a eu sa stratégie pour sortir de ces ténèbres, parce que les destinées ne se ressemblent pas. Que quelqu'un dise à son âme, ma destinée ne ressemble à personne. Tel que tu l'as dit, que l'Éternel t'accorde une victoire cette année au nom de Jésus. Ta destinée particulière. Quelqu'un d'autre pour vaincre ces ténèbres, il doit se taire. Un autre pour vaincre ces ténèbres, il doit quitter un quartier. Un autre encore pour vaincre ces ténèbres, il doit s'éloigner de ses amis. Chacun a ses stratégies de victoire parce que l'Éternel a prévu les choses de manière à ce que chacun soit un livre riche à lire à la fin de sa vie. Ça tombe sur un homme intelligent.
Parce que je ne sais pas qui est venu, mais ça tombe sur un homme intelligent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont ici, ce sont des livres que l'Éternel est en train d'écrire tous les jours. Et à la fin de ta vie, les hommes doivent trouver ton livre intéressant. Je ne parle pas du livre que tu vas écrire avec ta plume, je parle de ta propre vie. Et donc, voilà pourquoi nos expériences ne se ressemblent pas. On doit lire la vie de Daniel, on dit « Waouh, c'est époustouflant ». Et quand on va chez Joseph, on dit « Oh, ça aussi c'est Dieu ». Quand on va chez Marie, on dit « Mon Dieu, l'Éternel est multiface ». Que quelqu'un me dise « L'Éternel est multiface ». Tu es en retard, dis-moi « L'Éternel est multiface ». L'Éternel a plusieurs faces, sans être un monstre, mais c'est un multiface. Aujourd'hui, tu peux le regarder comme un homme doux. Demain, tu le regardes comme un volcan. Après-demain, il est comme un ouragan. Un autre jour, il est comme un vent calme. L'Éternel est un Dieu à multiface. C'est comme ça qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. À d'autres places, on l'appelle le grand berger. Ailleurs encore, on dit les rejetons de David. Il est un Dieu de multiface. Il va te délivrer de la manière dont il a décidé. Et cette manière est propre à toi. Ce n'est même pas une manière que tu dois forcément inculquer à tes enfants. Non, ils peuvent entendre parler de ça comme une belle expérience qui est arrivée à leur mère, à leur père. Et ils vont apprendre de la vie de leurs parents. Mais ce n'est pas à imposer à tes enfants. Ils ont leur parcours. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Jacob n'a pas rencontré Dieu comme Abraham avait rencontré Dieu. I praise the name of Jesus. Abraham, lui, il rencontre Dieu. Dieu lui dit, sors d'ici, je veux faire de toi un homme grand. Mais Abraham rencontre Dieu d'abord sur une terre où Abraham et sa famille idolâtraient d'autres dieux. Ça, c'est la rencontre d'Abraham avec Dieu. Mais Jacob, lui, rencontre Dieu quand il met la tête sur le rocher. Oh, ça tombe sur ta vie, c'est pour les hommes intelligents. Je n'expliquerai pas cette image, il faut lire la Bible. Il faut avoir un esprit prophétique. Certaines images, quand on les lance, que le Saint-Esprit interprète. Je dis, lorsque Jacob a mis la tête sur le rocher, Jacob a vu l'échelle. Tout le monde ne rencontre pas Dieu de la même manière. Et donc, tout le monde ne peut pas sortir de ces ténèbres de la même manière. Ne viens pas m'imposer ta délivrance. Tu as fait 21 jours pour voir les maris de nuit sortir, l'esprit incube, succube sortir. Ça, ce n'est pas le cas de ton voisin. Ah oui, lui peut seulement croire l'esprit incube sort. Tout dépend de la foi. Ne viens pas imposer ton système de délivrance. Dis à ton voisin, ne m'impose pas ton système. Tu es un peu lent, il faut que je cherche d'autres gens pour venir te prêcher ici. Dis à quelqu'un, ne m'impose pas ton système. Non, Dieu t'a parlé quand tu étais en rêve. Ça c'est toi. Quelqu'un d'autre n'a pas besoin de dormir pour entendre Dieu. Il est devant sa télé et Dieu est en train de parler. Il est devant en train d'entendre les informations et Dieu est en train de parler. Il est en train de se doucher, Dieu donne des instructions. Oh mon frère, nous ne sommes pas obligés de passer par la même route pour rencontrer le même Dieu. I will say it again. Nous ne sommes pas obligés de passer par la même route pour rencontrer le même Dieu. Je le dis pour une troisième fois. Nous ne sommes pas obligés de passer par la même route pour rencontrer le même Dieu. C'est le même Dieu, mais nous passons par plusieurs chemins. C'est le même Dieu, mais il y a 7 chemins où on peut le trouver. Alors arrête de dire, voilà, comme tel, il a vaincu Goliath avec la pierre. Moi aussi, il faut la pierre. Tout le monde n'utilise pas la même chose. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pour David, c'était la pierre. Pour toi, ça peut être la prophétie. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Pour toi, ça peut être la prophétie. Pour toi, ça peut être la déclaration prophétique. Pour toi, ça peut être un seul jeûne. Chacun a sa pierre. On appelle pierre, mais le contenu n'est pas la même chose. Je reprends ça pour les astres. On appelle pierre, mais le contenu n'est pas la même chose. Alors, ne m'impose pas ta délivrance. Ne viens pas me dire, non, pour ce genre de choses, il faut absolument que tu ailles dormir par terre. Et puis mon frère, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la diversité d'opérations. J'aime cette soirée, Lord. C'est la diversité d'opérations. L'Éternel agit de plusieurs manières. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Oui, oui, tu as bien parlé. Gloire à Dieu pour celui qui opère de plusieurs manières. Il n'est pas obligé d'opérer des mêmes manières. Voilà pourquoi j'ai pitié de personnes qui pensent qu'on peut cloisonner Dieu. Quand tu vois Dieu opérer, tu dis, ça ce n'est pas Dieu. Parce que dans notre église, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui opère de plusieurs manières. D'ailleurs, je prophétise au nom de Jésus. Il va opérer cette année d'une manière que tu n'as pas encore vue. D'une manière que tu n'as pas encore saisie. D'une manière que tu n'as pas encore entendue. J'étais en train de parler. Il va opérer cette année dans ta vie. D'une manière que tu n'as pas encore entendu. Même dans ta famille, tu n'as pas encore entendu.
C'est un multisystème de Dieu. C'est un Dieu à multiface. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le Dieu qui a la face de ma destinée qu'il n'est pas Dieu. Je le reprends pour un homme intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le Dieu dans ta vie, tu n'as pas encore vu le Dieu qui a la face de ma destinée qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, seulement toi tu ne connais qu'une seule face. Dieu a plusieurs faces. Et donc par rapport à ta propre vie, refuse de te dire ce problème ici, comme mon oncle s'était en sorti en allant au Bas-Congo, dans une province du pays, moi aussi je dois aller dans une province. Frère, vous n'avez pas la même destinée. Comme on n'a pas la même destinée, chacun aura ses issues de sortie. Ça tombe sur qui? Chacun aura ses issues de sortie. La manière dont ton frère a été délivré, ce n'est pas de la même manière dont toi tu seras délivré. Je bénis ceux qui ont entendu. C'est ainsi que donc ce Dieu a été multisystème. Vous qui écrivez ou vous qui avez vos livres, nous allons au point l'intelligence de l'étoile. L'intelligence de l'étoile. C'est toujours le même chapitre, c'est juste un point. L'intelligence de l'étoile. Les obscurités vécues par chaque étoile sont liées à son destin. Mais l'étoile doit avoir l'intelligence de comprendre qu'il ne faut jamais laisser une quelconque obscurité la détruire. Ce qui n'a pas pu empoisonner vos pensées ne vous détruira jamais. Ce qui n'a pas pu empoisonner vos pensées ne vous détruira jamais. Même si des millions et des milliers de gens se levaient, si ça n'a pas empoisonné vos pensées, ça ne pourra jamais vous détruire. La destruction dans la vie d'une personne n'arrive pas parce qu'il a trop d'ennemis ou parce qu'il a trop d'adversaires, mais ça arrive parce que son premier ennemi est ce qu'il y a dans ses propres pensées. La destruction dans la vie d'un homme n'arrive pas parce que personne ne l'aime. Non. Ça arrive parce qu'il a laissé, au niveau de ses pensées, se concevoir des choses négatives. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. Et même si tu as des pensées négatives, que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu te libère des mauvaises pensées. Celui qui veut te détruire pourrit tes pensées. C'est comme ça que le serpent, il n'est pas venu présenter à Ève le fruit. Le serpent est venu présenter à Ève une pensée. Le serpent n'est pas venu dire à Ève, regarde comment c'est beau. Le serpent est venu présenter une pensée. Et cette pensée a pourri le raisonnement et la réflexion de Ève. Lorsqu'une pensée pourrit votre réflexion ou votre raisonnement, on a déjà commencé à vous atteindre. Et on a déjà commencé à vous détruire. Ce qui n'a pas détruit vos pensées ne vous détruira jamais. Même si le diable vient. C'est pour ça d'ailleurs que Job avait tenu. Job a tenu jusqu'à la fin parce que malgré tout ce qu'il vivait, il avait refusé que ses pensées soient détruites. Il a gardé ses pensées malgré ses questionnements, mais il a gardé ses pensées pures. Il a gardé ses pensées en confiance. Et donc, il a été vainqueur à la fin. Celui qui veut toucher à votre vue ne touche pas à votre chemise, surtout quand on parle des démons. Ou encore du diable. Il ne touche pas à vos cheveux, il va toucher à vos pensées. Celui qui veut vous égarer ne touchera pas à ce que vous possédez, il va toucher à vos pensées. Que Dieu délivre et épargne quelqu'un ce soir. Alors, l'étoile doit avoir la bonne compréhension de ses ténèbres et la bonne définition de chaque obscurité qui surgira dans sa vie. Les pensées, c'est un autre point, on écrit. Les pensées à ne jamais nourrir pendant vos ténèbres. Les pensées à ne jamais nourrir pendant vos ténèbres. Parce que nous avons dit, vous devez protéger vos pensées. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à protéger mes pensées. À chaque fois que tu dis une parole, ça tombe sur tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés, ça tombe sur eux. Lorsque vos pensées sont saines, votre vie sera solide. Lorsque vos pensées sont pures, votre vie sera dure. Même s'il y a des fissures que le diable veut créer dans votre vie, ça va se recoudre parce que tout dépend de vos pensées.
Pourquoi Adam a péché? Parce que Adam se disait qu'il ne pouvait pas vivre sans cette femme. Or, Adam avait oublié que c'est Dieu qui avait créé. Celui qui a créé peut remplacer. Ça tombe sur qui? Celui qui t'a donné ce que tu as plutôt peut remplacer. Et généralement, vous savez, on critique Adam, mais très souvent nous nous comportons comme lui. Face à certaines choses que Dieu nous donne, quand Dieu veut récupérer, on commence à crier. Alors que c'est lui qui a donné. Avant qu'il te donne, tu n'étais pas capable de croire que tu allais avoir ça. C'est parce que Dieu t'a donné que tu crois que tu peux le posséder. Celui qui a donné peut redonner le double. Celui qui a donné peut redonner le double. Même dans la vie de Job, lorsque le diable a arraché, Dieu a redonné le double. Celui qui t'a béni peut te bénir doublement. Ça tombe sur une âme et sur sa descendance. Celui qui t'a visité peut te visiter doublement. N'aie pas peur lorsque celui qui a donné vient reprendre. C'est ce qu'Adam n'avait pas compris. Vous voyez que tout se passe au niveau des pensées. Adam a regardé et dit non, j'aime trop cette femme, je ne peux pas la laisser partir. Alors que c'est Dieu qui avait donné. Tu pouvais aller tout de suite dire à Dieu, Seigneur, viens vite. Elle veut m'induire en erreur. Peut-être qu'il faut changer. Mais il a oublié qu'il y avait un Dieu qui avait donné. Et donc, lorsque le serpent a pourri, écoutez-moi très bien, lorsque le serpent a pourri le système de pensée de Ève, Ève aussi a pourri le système de pensée d'Adam. Le péché est arrivé. Le chaos est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Les gens meurent de partout. Les désastres que vous connaissez à cause du péché. Écoute mon frère, généralement le diable pour atteindre tes pensées, pour pourrir tes pensées, va prendre une pensée destructrice et elle va passer par plusieurs canaux. Le diable va faire passer ses mauvaises pensées par plusieurs personnes pour t'atteindre. Et quand ça va t'arriver, si tu ne comprends pas ce qu'on va enseigner ce soir, tu vas commencer à t'auto-détruire. Avant que le démon ne vous touche, vous vous êtes touché vous-même. Avant que les démons ne vous détruisent, vous vous êtes détruit vous-même. Protégez vos pensées. Voilà pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. La Bible parle de la parole de Dieu comme étant le casque du salut. Ça protège votre pensée, votre système de pensée. Vous êtes à la maison, même quand vous faites la vaisselle, pourquoi vous restez sans rien faire? Mettez votre téléphone là, mettez une prédication, faites la vaisselle en écoutant la prêche. Vous êtes en train de vous doucher, pourquoi vous ne mettez pas la prêche? Vous êtes là comme ça en train seulement de penser à des choses inutiles, des problèmes, ou d'ailleurs vous ne trouvez pas de solution, mais vous ne faites que penser à des problèmes. Je dis à quelqu'un, plus tu penses aux problèmes, les problèmes vont s'amplifier. Mais c'est normal que tu ne dises pas amen, tu vas expérimenter ça un jour. Plus tu penses à un problème, ce problème-là va s'amplifier. Dieu n'accomplit pas un miracle parce qu'on a trop pensé à un problème. Dieu accomplit un miracle parce qu'on a pétifié le problème. Et quand on pétifie le problème, on pense à autre chose. On ne peut pas banaliser un problème en disant, non maman, c'est la foi. Alors que constamment, tu es en train de penser à ce problème-là. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu n'arrives même pas à rester seul devant la télé. Tu ne penses qu'à ce problème. Et tu dis, j'ai la foi. Tu confonds la foi, je pense, et autre chose. Lorsqu'on a la foi, on pétifie le problème. Et lorsqu'on pétifie le problème, Dieu amplifie sa gloire. Ça tombe dans ta maison au nom de Jésus. Cette soirée est une soirée de réception. Ça tombe dans ta maison au nom de Jésus. Ça tombe sur ta vie trois fois. Et donc il faut savoir qu'il faut protéger le système de pensée. Voilà pourquoi il faut même trier quel type d'amis vous avez. Il y a des amis façon. Des amis bizarres depuis la naissance. Des amis étranges même dans leur propre famille. Même dans sa famille on ne comprend pas qui il est. Ses propres frères Même ses propres frères le trouvent bizarre. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai apprise dans la pastorale. Vraiment, je l'ai apprise. C'est que quand tu vois quelqu'un venu te dire, tu sais maman, ma famille, on ne m'aime pas, je suis rejeté, personne ne m'aime, mon père, ma mère, personne ne m'aime. Mon frère, si tu es un peu... Non, je vais changer de terme pour ne pas me choquer. Si tu es un jeune pasteur, tu vas prendre cet enfant-là, tu vas commencer à lui bourrer d'espérance. Tu pries pour lui et puis tu lui dis d'ailleurs, tu peux même venir ici à l'église habiter avec moi. Non, viens même dans ma maison. Mais si tu as un peu d'expérience, tu vas écouter le son de cloche. Tu vas chercher à écouter le second son de cloche.
Tu vas aller même écouter un frère, un cousin, quelqu'un de la famille. Et généralement de mon frère, les cas que moi j'ai en tout cas eu à réceptionner, ce genre de cas, quand tu écoutes la famille, tu te rends compte que c'est lui le problème. C'est lui qui est le problème. Mais comme il est tellement orgueilleux, ou encore il est tellement, il a tellement d'estime pour lui-même, il croit que c'est tout le monde qui ne l'aime pas, alors que c'est lui qui a un grand problème. Il a même un problème d'éducation, mais il ne veut pas voir. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre comme un pigeon voyageur. Libre, libre, mais chez autrui. Je dis à quelqu'un, si tu veux vivre libre, va chez toi. Je n'ai pas parlé. Je crois que je n'ai pas parlé. Si tu veux vivre libre, libre, va. Va chez toi. Toi, tu vis chez ta grande sœur. Tu vis chez ton grand frère. Tu vis chez une tante. Tu vis chez un oncle, chez un grand-père. Tu veux être libre là-bas. Tu n'es pas chez toi. Vous savez, il y a beaucoup de contrastes en réalité dans la culture africaine. En même temps, nous voulons vivre la fraternité, mais en même temps, les gens veulent tout confondre. Si tu veux vivre la fraternité, tu es chez ta tante. Comment veux-tu être libre? Puisqu'on vit dans la fraternité et l'unité, tu dois dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de la personne qui te loge. Mais non. Tu vois cette personne venir dans ton bureau. Moi, on m'aime pas. Moi-même, quand je viens à l'église, on me combat. Quand elle vient à l'église, là, je parle de cette demoiselle-là qui nous raconte n'importe quoi au bureau. Quand elle vient à l'église, on la combat. Maman ne veut pas. Va maintenant demander à maman pourquoi tu ne veux pas. Une fois, j'ai traité un cas comme ça. La maman a craqué. Elle n'a même pas attendu que moi je la cherche. Elle est venue me chercher. Il y a peut-être 8 ans de cela. Elle est venue me chercher au bureau. Elle me dit, maman, non. Ma fille-là qui est dans votre église-là, ça m'étonne même quand je la vois en train de servir. Hein. Cette fille-là, elle n'est pas en mesure même de veiller sur ses caleçons. À l'âge qu'elle a là, elle dit, maman, tu connais son âge? Je ne sais pas quel âge elle vous a donné. Est-ce que tu connais son âge? Moi, je dis, ah, maman, c'est toi la maman. J'ai répondu comme Ézéchiel. Toi, tu le sais. Je dis, maman, c'est toi la maman, il faut me dire. Moi, je connaissais l'âge que ma fille m'avait donné. Elle me dit, maman, cette fille-là, aujourd'hui-là, elle a 32 ans. Hein? Or, dans mon esprit, selon ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle devrait avoir normalement 28 ans. Je dis, 32 ans. Elle me dit, mais oui. Elle m'a donné la date de naissance, l'année. Elle m'a dit, maman, c'est moi qui l'ai enfantée. Elle a 32 ans, mais comme tu la vois là, elle peut venir à l'église, elle court, elle dit, Daddy m'a appelé, mamie m'a appelé. Elle laisse ses sous-vêtements dans l'eau. Il y a des asticots depuis 2 semaines. Et quand elle va venir à l'église, elle va dire, on me combat. On ne veut pas que je vienne à l'église. Maman m'interdit. Mais on t'interdit parce que tu n'arrives pas à comprendre les choses, les places de chaque chose dans ta vie. Tu ne peux pas courir à l'église alors que ta maison est sale. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu n'as pas préparé pour ton mari. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu n'as pas organisé la vie de tes enfants. Tu ne peux pas courir à l'église alors que tu as laissé des ordures dans ta chambre. Tu es sale, mais tu te présentes à l'église avec cravate et chemise. Et quand ton père va dire non, parce que ton père voit quel type d'homme tu es en train de devenir, tu vas venir à l'église et dire, tu sais maman, moi mes combats, papa ne m'aime pas, papa me combat beaucoup. Le problème c'est que tu es tellement orgueilleux que tu ne vois pas que même quand on veut t'aider, toi tu trouves des raisons pour t'échapper. Que Dieu te délivre ce soir. J'ai besoin de 3 amen. Que Dieu te délivre. Des fois bien aimé. Nous voyons tellement mal les choses que nous déplaçons les bornes comme nous voulons. Que l'Éternel t'aide à comprendre que c'est au niveau de tes pensées que tout se passe. Lorsque tes pensées sont bien protégées, même tes actions seront bénissantes. Que l'Éternel t'aide. Je disais donc les pensées à ne jamais nourrir pendant vos ténèbres. Point A. Point A, ou si vous voulez, vous écrivez un petit 1. Je suis seul face à ceci. C'est la première pensée à ne jamais nourrir dans vos ténèbres. Je suis seul face à ceci. Ce sont des pensées qui vont vous enlever même la force de garder la foi. Vous n'aurez même plus la capacité de garder votre foi. Je suis seul face à ceci. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a rejeté. Mon frère, celui qui est avec toi est plus grand que tous les alliés. Celui qui est avec toi est plus grand que tous les alliés. C'est le plus grand allié que tu peux avoir dans la vie. D'ailleurs, laisse-moi te dire, si toi tu as des hommes comme alliés, j'ai pitié de toi.
Si tu as des hommes comme alliés, j'ai très pitié de toi. C'est d'abord le Saint-Esprit qui est le plus grand des alliés. Celui-là, il veille, il ne sommeille, il ne dort. Les autres alliés ont sommeil. Les autres alliés tombent malades. Les autres alliés auront l'adresse de leur tombe. Mais le Saint-Esprit n'aura jamais de tombe. Oh, nous bénissons l'Éternel pour sa haute présence. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa haute présence. Jésus est le plus grand allié. Que quelqu'un me dise, Jésus est le plus grand allié. Dis-le bien, j'ai l'impression que tu es envoûté. Dis-moi, Jésus est le plus grand allié. Toi tu dis non, je suis seul, voilà, je suis en train de trimer, je souffre, je suis seul à vivre. Oh, tu veux être avec qui? Tu sais pourquoi Dieu lui-même a dit, Dieu lui-même, nous bénissons Jésus. Il a dit, je vois que dans cette alliance, qui est l'ancienne alliance, la gloire, la gloire ou le salut n'a pas été parfait. Alors voilà ce que je veux faire. Je veux habiter en l'homme. Je veux. Le manteau là qu'on jette là, c'est pas bon. Des fois le manteau là, on le lave pas, on sait pas finalement. Mais je vais habiter en l'homme. Pourquoi? C'est pour que tu saches qu'avant de chercher un appui là, tu as d'abord le Saint-Esprit en toi. Qu'il soit d'abord ton premier allié, ton plus grand allié, ton plus puissant allié. Les autres ont leur char, toi tu as le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec moi-même 15 fois. Les autres ont leur char, toi tu as le Saint-Esprit. Les autres ont leurs chevaux, toi tu as le Saint-Esprit. Tu y as un très grand allié. Pourquoi tu dis que tu es seul? Pourquoi tu te plains? Pourquoi? Parce que pour toi tu penses que le voisin qui est à côté de toi, il est plus réel que le Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide à grandir spirituellement. Quand tu regardes celui qui est à côté de toi là, tu crois qu'il est plus réel que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est plus réel que celui que tu vois là. Tu as un très grand allié. Arrête de nourrir ces gens de pensées. Oh voilà, pendant que je souffre, on m'a laissé seul. Je suis seul. Je suis. Pourquoi tu nourris des pensées comme ça? Tu risques d'être dévoré dans la fosse au lion. Quand tu nourris les bonnes pensées, même si on t'envoie le lion, tu sortiras. Quand tu es dans des bonnes pensées, j'espère que quand tu dis un amen, tu le prends pour tes enfants aussi. Quand tu as les bonnes pensées, même dans la fournaise ardente, tu sortiras. Shadrach et Meshach sont sortis pourquoi? Parce qu'ils avaient des très bonnes pensées. Très bien équipés. Oh, que quelqu'un dise, je dois être bien équipé. Attention avec ce que tu écoutes là. Les pertes de temps avec le théâtre là. Attention, écoute les prédications. Écoute les choses qui nourrissent tes pensées. Qui te rappelle qui tu es en réalité. Même étant dans ce corps mortel, qui tu es en réalité. Qui est ton Dieu en réalité. Quelle est la position d'Adonai en réalité. Quelle est la position de ton Dieu en réalité. Shadrach, Meshach sont sortis de la fournaise, Abednego évidemment, sont sortis de la fournaise parce qu'ils avaient dit au roi, nous là, nous n'allons jamais t'adorer, ni ta statue, parce que l'Éternel est vivant. Il va nous délivrer. Et même si, ah c'est ça la belle phrase, et même si, complète la phrase, dis à ta voisine, dis à ton voisin la phrase, vas-y. Voilà, il y a des gens qui ne parlent pas, tu vois, non? Parce que tu ne lis pas la Bible. Et même s'ils ne nous délivrent pas, nous n'adorerons pas la statue. C'est-à-dire, ces hommes ont dit, roi, nous croyons à la délivrance. Mais même si Dieu décide qu'on puisse mourir dans le feu, pour nous, il reste Dieu. Ah, j'aime ce système de pensée-là. Est-ce qu'un Congolais ne peut pas être délivré d'une foi bizarre? Là où Dieu doit toujours être le Dieu qui donne, le Dieu qui donne. Quand il est le Dieu qui donne, il est le grand Dieu, il est le grand Dieu. Quand il est le Dieu qui te fait trimer, ah non, non, ça c'est quel genre de chrétienté? Dieu, il est aussi le Dieu qui peut te faire mourir dans la fosse, mais il reste Dieu. Non, il ne reste pas que Dieu, il reste ton Dieu. Ça c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Une manière de dire, laisse-moi actualiser. Une manière de dire, je m'en fous s'il ne me délivre pas. Même si je mourrais calciné, il reste mon Dieu. Ce n'est pas parce que je meurs calciné que Dieu m'a oublié. Ce n'est pas parce que je meurs calciné que Dieu ne me connaît pas. C'est comme ça que dans les églises locales, là où les fidèles, parce que je ne vais pas accuser les bergers,
Des fois, les bergers prêchent, enseignent, mais les fidèles sont façon, jusqu'à la moelle épinière. Là où les fidèles ne se laissent pas transformer par la parole, là où ils n'aiment pas l'enseignement, là où ils n'aiment pas écouter le Saint-Esprit. Quand les gens meurent, quand il y a des deuils dans l'église, il y a des gens qui commencent à parler, il y a des gens qui murmurent. Ah mais comment les gens meurent? Comment? Qu'est-ce? Pour toi, Dieu, il est Dieu quand? Quand les gens restent en vie? Dieu est Dieu même quand les gens meurent. Je réponds ça pour quelqu'un qui est venu nous distraire ici. Dieu est Dieu même quand les gens meurent. Il reste Dieu. Même si tu pries pour quelqu'un et la personne meurt, il reste Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il te donne la vie. Avant que toi tu ne sois, il y a des hommes qui ont été. Il n'est pas Dieu à cause de toi, mon frère. Un peu d'humilité. Il n'est pas Dieu à cause de toi. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il se suffit par lui-même. Avant qu'Abraham ne soit, il était. Avant que le monde n'existe, il était. Il est l'ancien de jour, le rejetant de David, l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que tu t'es réveillé en bonne santé. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Et j'aime toujours cet exemple. Sodome et Gomorrhe étaient en train de brûler. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, vous savez ce que les gens voient généralement? Les sodomites. Vous ne voyez que les sodomites. Mais à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas que les sodomites. À Sodome et Gomorrhe, il y avait des bonnes familles. Il y avait des familles qui ne pratiquaient pas la sodomie. À Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait brûlé, il y avait des bébés. Il y avait des femmes enceintes. Vous oubliez ça ou vous ne voyez pas? À Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants en train de jouer entre eux. Des enfants qui étaient innocents. Il y avait des femmes qui étaient enceintes. D'autres étaient enceintes de quelques mois. Dieu a brûlé tout le monde. Et Dieu est resté Dieu. Ah, j'aime pas cet amen, donne-moi un amen. Dieu est resté Dieu. Pendant que les femmes enceintes brûlaient, pendant que les bébés brûlaient, pendant que les femmes couraient, quand ils voyaient le souffre, les femmes couraient. Il est resté sur le trône, imperturbable. Ce n'est pas à cause de ta vie qu'il est devenu Dieu. Ah, je dis, toi, tu as commencé seulement hier. Ce n'est pas à cause de toi que Jésus est Dieu. Il est Dieu depuis. Et il n'a besoin de personne pour être Dieu. Que quelqu'un me dise, il n'a besoin de personne. Frère, pendant que moi je prêche là, il y a la présence angélique qui vient. Il ne faut pas m'amener tes démons de famille. Quand je dis quelque chose, il faut dire. Dis-moi, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne pour être Dieu. Il est Dieu. Et la malaria, et les coronas, et tout ce que tu veux, il est Dieu. Il le reste. Il est égal à lui-même. Ainsi il a dit à Abraham, Abraham, je t'aime tellement. J'ai envie de te manifester mon amour et te montrer que je suis sérieux dans mes serments. Mais je ne sais pas quoi dire, Abraham. Je ne sais pas quel nom je peux utiliser qui est plus grand que le mien. Je jure par moi-même. Ah, ces versets, quand je le lis, mon frère, même quand j'ai des problèmes, juste ça, je jure par moi-même. Je ferme la Bible, je commence à parler en langue. Parce que je me dis, ce Dieu-là nous a démontré plusieurs fois qu'il n'a pas besoin d'alliés pour agir. Quand il agit avec les hommes, c'est parce qu'il a pitié de nous. Je reprends la phrase. Quand il agit avec toi, c'est parce qu'il a pitié de toi. Quand il agit dans ta famille avec toi, c'est parce qu'il a pitié de toi. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Ce n'est pas pour sa vie, c'est pour ta vie. Dieu n'a pas besoin d'alliés. Il se suffit par lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ça trouble beaucoup de gens. Un problème théologique, je pense qu'il ne finira pas. Les gens ne comprennent pas. Mais comment il est Dieu? Comment il était à la croix? Comment il est... Dieu. Il te suffit seulement de comprendre qu'il est Dieu. Il peut être en train d'être jugé par Ponce Pilate. Il est là. Jésus l'homme est devant Ponce Pilate. Mais le même Jésus apparaît chez la femme de Ponce Pilate. Oh, j'ai envie de dire notre Dieu est mystérieux. J'ai envie de dire notre Dieu est mystérieux. Je ne raconte pas une histoire, je te parle de quelque chose. Notre Dieu est mystique. Pendant que Ponce Pilate le regarde avec une robe façon, un visage déchiqueté par les fouets, l'humiliation sur tout le corps, en même temps, l'homme de Galilée, l'homme que personne ne peut écraser, il apparaît à la femme de Ponce Pilate. Il n'a pas besoin de ton amour pour être Dieu. Parce que je dois te guérir maintenant et tout de suite. Je ne veux pas ce genre de fils dans cette assemblée. Il n'a pas besoin de ton amour pour être Dieu. Avec ou sans ton amour, il est gravement Dieu. Il est Dieu.
C'est comme ça que quand tu viens, tu fais des fières pour adorer. C'est toi qui perds. Lui, il a des adorateurs même en Chine. Il a des adorateurs en Angleterre. Toi, quand tu fais des fières, il écoute d'autres types d'adoration. Il a des adorateurs au Kassai, au Bas-Congo, au Bandundu, qui sont en train d'adorer. Toi, tu dis, les mains levées, là, tu diminues comme ça, comme si on t'a coupé les mains. Et tu crois qu'il a besoin de ça? Il a des adorateurs. Il dit lui-même, si tu refuses, les pierres vont adorer. Pourquoi il ne dit même pas, frère, si tu refuses, tes cousins vont m'adorer, ton père va m'adorer, mais il va te diminuer. Il dit, si tu refuses, la pierre va m'adorer. Si tu veux, tais-toi. Des fois, nous nous comportons comme si Dieu dépendait de nous pour être Dieu. Ou même quand nous adorons, c'est à l'intérêt de Dieu. C'est comme si on fait de lui encore un grand Dieu. C'est toi qui gagnes quand tu adores. C'est toi qui gagnes quand tu célèbres. Le Saint-Esprit est ton plus grand allié. Quand il est là, les hommes vont suivre. Je vais l'expliquer. Thank you, Jesus. De la même manière, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, tu crois en Christ, tu crois fermement en lui, il y a des miracles qui t'accompagnent, sans forcing. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est avec toi, les hommes vont te suivre. Même s'il ne parle pas à ces hommes-là, les cœurs des hommes seront touchés, un à un, trois à quatre, et ces hommes vont te suivre. À un moment donné, tu vas te dire, mais attends, qui vous a dit que j'avais besoin de... Non, moi-même, je sentis dans mon cœur qu'il faut que je vienne te... Le Saint-Esprit, parce qu'il est ton allié, il envoie même les hommes vers toi. Et les hommes se bousculent pour te faire du bien. Ah, j'espère ça pour toi, je comprends que tu dises pas amen. Moi, j'ai déjà vu ça. Les hommes se bousculent pour te faire du bien. Les hommes disent pardon. Pardon pourquoi? Hey, c'est ton argent. Non, pardon. Accepte seulement. Oh, mais comment ça? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, je ne t'enseignerai jamais que pour être béni, il faut courir derrière les hommes. Ce n'est pas ce que moi j'ai connu. Je ne t'enseignerai jamais que tu dois devenir mendiant pour être béni. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit, quand on fait confiance au Saint-Esprit, il touche les cœurs des hommes. Ne crois pas au Saint-Esprit façon. Ça veut dire que tu dis que tu crois, mais en même temps, toi-même, tu cherches de l'aide. Expérimente la présence de cet allié. Je déclare d'ailleurs au nom de Jésus que cette année, les hommes se bousculent pour te faire du bien. Ça tombe sur toi trois fois. Que cette année, les hommes se bousculent pour te faire du bien. Que les hommes se bousculent au niveau de l'Amérique. Qui se bousculent au niveau de l'Asie. Qui se bousculent au niveau de l'Europe. Qui se bouscule au niveau de l'Afrique. Oh, que les hommes se bousculent pour te faire du bien. Que les hommes disent, en tout cas, c'est moi qui dois faire du bien à Léonel et personne d'autre. Et que quelqu'un d'autre vienne dire, non, moi j'avais pris l'idée avant toi. Que les hommes se bousculent comme si on allait les payer. Que les hommes se bousculent comme si on allait rendre quelque chose. Cette année, que ça se fasse sur ta tête. Assieds-toi sur la grâce. Jésus est terrible. Ne limite pas Jésus aux petites choses que tu as déjà vues. Jésus est tellement grand. Il fait des choses que tu n'as jamais imaginées. Voilà pourquoi je te dis, ne te bloque pas, ne te cantonne pas aux expériences des gens. Tout ce que tu as entendu les autres hommes de foi vivre, c'est petit. Dieu peut faire plus grand. Si quelqu'un m'entend bien. Si lui-même Jésus a dit, vous ferez ce que je fais, mais vous ferez aussi de plus grande. C'est pour que dans ton système de pensée ne te limite pas. Qui croit qu'en sortant d'ici, quelqu'un peut appeler? Tu as entendu le retard? Je sentis un problème de foi. Je dis, qui croit qu'en sortant d'ici, il peut recevoir un appel? Qui croit qu'en sortant d'ici, quelque chose peut commencer? En sortant seulement. Que Dieu te donne selon ta foi. Que Dieu te donne selon ta foi. Oh, parce que moi, je ne peux pas te donner ce que ta foi n'a pas vu. Que Dieu te donne selon ta foi. N'oublie pas que dans tes ténèbres, ton allié est vivant. Cet allié-là, ma fille, ne meurt pas. Cet allié-là ne peut pas tomber malade. Un jour, ta mère ne sera plus, lui sera. Oh God, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Un jour, la mère qui t'a bordé en premier sur terre, quand tu es arrivé sur terre, la première personne qui t'a bordé, un jour, elle ne sera pas là.
Mais lui, le Saint-Esprit, sera au rendez-vous. Un jour, ton père ne sera pas présent. Tu voudras que ton père te fasse entrer dans une robe blanche devant l'autel. Mais cet homme sera parti. Mais l'homme de Galilée, lui, va te faire porter la robe blanche. Lui va t'introduire dans un mariage. Lui va donner le shalom dans le mariage. L'homme de Galilée, il n'est pas seulement celui qui nous fait entrer comme un père jusqu'à devant l'autel. Même s'il n'est pas visible, lui va t'introduire dans ce mariage-là. Lui va imposer le shalom là-bas. Quand les sorciers viendront pour prendre l'enfant, il va dire non, pas ici, parce que je suis son père. Ah, ça tombe sur moi-même 5 fois. C'est le Saint-Esprit est un grand allié. Je vais courir derrière les hommes, pourquoi? Pourquoi? Grandis, grandis, grandis. Pourquoi? Le Saint-Esprit va trouver la solution. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi est-ce que l'ange... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand l'apôtre présente ça. Quand il présente Agar au désert avec son fils Ismaël. Quand l'apôtre explique ça, il sort une révélation pour dire, pour lui, il pense que la source était là. Mais c'est Agar qui ne voyait pas. Parce qu'elle n'avait pas les yeux spirituels ouverts. Mais moi, je pose une question. Puisque la source était là, Agar ne voyait pas. Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas seulement ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle voie? Pourquoi l'ange est venu parler? Parce que comme la source était là, il pouvait seulement, paf, et puis Agar qui dit, oh, il y a une source. Mais pourquoi l'ange devait expliquer? Parce que Agar et l'enfant ne devaient jamais oublier quelque chose. Abraham peut avoir l'alliance, mais Abraham n'est pas celui qui alimente l'alliance. Il y a un Dieu qui alimente l'alliance. Et c'est ce Dieu-là qui donne la source même dans les déserts. C'était pour que Agar et Ismaël n'oublient jamais que le meilleur allié, ce n'est pas Abraham. Mon frère, laisse-moi actualiser. Abraham peut te chasser. Ah, Abraham, tu as cherché l'enfant. Tu as eu l'enfant. À cause de ta femme, tu chasses l'enfant. Ton sang, il part. Allant où tu ne sais pas. Je dis, Abraham peut te chasser. Celui sur qui tu t'appuyais peut te chasser. Je ne dis pas qu'il peut mourir, il peut même te chasser. Mais lorsqu'il t'aura chassé dans le désert, dans les ténèbres de ta vie, tu vas rencontrer un allié. Un allié qui a toujours le bâton de commandement. Ah, ça tombe sur les fils de cette maison. Un allié qui a le bâton de commandement. Il ne laisse pas le bâton de commandement. Il a le bâton et il est le bâton. Ah, il a le bâton et il est le bâton. C'est comme ça qu'il peut, il peut prendre les eaux et les ouvrir en deux. La Bible dit, Moïse prend le bâton, il posa sur les eaux. Les eaux s'ouvrirent en deux. C'est normal, parce que le grand berger, lui, il marche sur les eaux. Les eaux n'ont pas d'autorité sur lui. Quand il se pose sur les eaux se soumettent. Je dis à quelqu'un, ton allié est plus puissant que ce que tu vois. Ne t'inquiète pas dans les ténèbres. Ne nourris pas des pensées du genre, pourquoi ceci? Pourquoi seulement moi? Mon frère, seulement toi, c'est toi notre héros. Je dis, tu es notre héros. Je n'ai pas dit que tu es l'héros de votre famille. Je dis, tu es notre héros. Lorsque l'Éternel va manifester ta brillance, ta famille va voir, mais même l'Église, nous allons voir. Et je déclare que même la nation voie, au nom de Jésus de Nazareth, que ta brillance soit vue. Que les hommes se posent la question, qu'est-ce que c'est? Et toi tu répondras, c'est la grâce. Ton allié est fidèle. Il y a des choses bien aimées que quand vous commencez à les dire à un homme, vous parlez, vous voyez même que la personne à qui vous parlez banalise. Ça veut dire que vous êtes concentré dans votre problème, mais la personne qui vous écoute, elle banalise. À un moment donné, tu as besoin de te parler à celui qui ne va jamais banaliser ta douleur. Qui ne va jamais banaliser ce que tu ressens. Qui ne va jamais banaliser tes problèmes. Tu as besoin d'un meilleur allié. Lorsque les ténèbres arrivent, dis-toi, j'ai un allié. Est-ce qu'on peut aller atterrir? Lorsque les ténèbres de ta vie arrivent, dis-toi, j'ai un allié. J'ai un allié que je ne vois pas, que je ne touche pas, mais il est réel ici. Il est celui qui me donnera la victoire comme il veut. Et par les moyens qu'il a lui-même choisis. Ne te pose pas multiples questions dans tes ténèbres.
Arrête de pourrir tes pensées. Le diable va venir te tuer facilement. Écoutez, les mauvaises pensées ressemblent à un poison qui est dans le verre. Vous-même, vous prenez le verre et vous buvez. N'est-ce pas? Quand quelqu'un se suicide, est-ce que le suicide est un meurtre? Oui ou non? Non, logiquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand, c'est peut-être un meurtre par rapport à lui-même, mais quand quelqu'un se suicide, on sous-entend que lui-même s'est donné la mort. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui se donne la mort et qui s'est fait aider? Alors quand on dit que la personne s'est suicidée, c'est qu'elle-même s'est donnée la mort. Mon frère, les mauvaises pensées ressemblent à un verre rempli de poison que tu décides de boire toi-même. Ça va finir par te tuer. Lorsque tu vois qu'il n'y a plus d'homme autour de toi, dans tes ténèbres, dis que j'ai un allié. Est-ce que je peux finir en disant quelque chose à un élu? Est-ce que je peux dire quelque chose à un élu? L'allié que tu as n'aime pas l'encombrement. L'allié que tu as n'aime pas. Quand il est là, il aime être maître à bord. Quand il est là, il aime être seul. Voilà pourquoi Jésus dans la barque est agitée. Jésus dort. Est-ce que Jésus dormait? Est-ce que vraiment Jésus dormait? Jésus, tu sais que la barque est agitée. Mais Jésus aime se faire désirer. Jésus aime qu'on le cherche. Jésus aime qu'on fasse un peu de caprice devant lui. Qu'on dit Jésus, ah, réveille-toi. Mon ami, réveille-toi. Mon chéri, réveille-toi. Mon papa, réveille-toi. Ma mère, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Mon grand frère, réveille-toi. Mon titeur, réveille-toi. Mon bailleur de fonds, réveille-toi. Jésus n'aime pas l'encombrement. Là où il est, il ne veut pas voir que ton père peut t'aider. Il va couper la main là. Là où il est, il ne veut pas voir ta mère t'aider. Il va te prendre cette mère là. Là où il est, il ne veut pas voir ton mari avoir trop de place. Attention, il risque de prendre ton mari. Là où il aime être le seul maître à bord. Je prophétise au nom de Jésus, cette année tu verras le pouvoir de l'allié. La puissance de l'allié. La force de ton allié. L'autorité de ton allié. Ta famille saura que tu as un Dieu. Ah, je parlais à quelqu'un. Ta famille verra que tu as un Dieu. Dis à ton frère, on saura que j'ai un Dieu. Dis un peu à trois personnes, on saura que j'ai un Dieu. Un peu plus de foi, vas-y. Écoute-moi maintenant. De manière très prophétique, tu vas dire à trois personnes, moi, mon allié est puissant. Ah, dis-le de manière prophétique. Je crois aussi que ton allié est puissant. Je crois aussi que ton allié est puissant. Ton allié n'est pas un homme. Ton allié n'est pas un homme. Il ne porte pas le pantalon. Il ne porte pas la robe. Il ne porte pas les vêtements. Il porte la gloire comme un manteau. Il porte la gloire comme un manteau. Oh my God! Ton allié, il ne mange pas le pain. Il ne boit pas de l'eau. Ton allié consomme la foi. Tu es un allié puissant. Tu es un allié redoutable. Tu es un allié vivant. Ton allié, la terre ne le connaît pas. La terre ne le maîtrise pas. Lorsqu'il entre sous la terre dit, ça c'est le maître. Il faut le sortir. Ton allié, son corps ne pourrit pas. On a cherché le corps, on n'a pas vu. Jésus est venu. Il a parlé à Marie. Mais où est le corps qui a été crucifié? On n'a pas vu ce corps. Ton allié est redoutable. Ton allié n'a pas besoin d'aide. C'est toi qui penses que ton allié a besoin de ton père. C'est toi qui penses que ton allié a besoin de ta grand-mère. Ton allié n'a pas besoin d'aide. S'il prend les hommes pour entrer dans ta destinée, c'est parce qu'il veut aider ses hommes et il veut t'aider toi-même. Le fer aiguise le fer. L'homme est façonné par l'homme. C'est pour ça que ton allié va utiliser les hommes. Mais ton allié n'a pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton allié n'a pas besoin que tu sortes d'une lignée propre pour te bénir. Ça tombe sur quelle lignée? Ça tombe sur quelle lignée? Ce n'est pas une bénédiction pour un homme, ça tombe sur une lignée. Ton allié n'a pas besoin que tu sortes d'une lignée propre. Voilà pourquoi il a pris Ruth et a dit, Boaz, aime cette femme. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Il y a des cœurs qui seront obligés de t'aimer. Cette année, l'année prochaine, il y a des cœurs qui seront obligés de t'aimer. Obligés par le Saint-Esprit. Obligés par le Paraclet. Ils seront obligés. Boaz s'est senti obligé d'aimer Ruth. Boaz, pourquoi tu aimes Ruth? Je l'aime seulement. Boaz, elle était déjà mariée. Je l'aime. Boaz, mais tu as d'autres... Je l'aime.
Pour moi, ça n'est pas assez belle. Je l'aime. Est-ce que vous avez un verset où on dit que Ruth était très belle? Or, la Bible, quand elle veut exprimer quelque chose, elle le dit. Boaz n'avait pas besoin de tout ça. Son cœur avait reçu une instruction. Par l'autorité du nom de Jésus, cette année et l'année prochaine, il y a des cœurs qui vont recevoir des instructions. Il y a des cœurs qui vont recevoir des ordres. Il y a des cœurs qui seront obligés de te servir. Je libère les prophéties dans les airs. Il y a des cœurs qui seront obligés de te servir, obligés d'être à ta disposition, obligés d'être là pour toi. Il y a des cœurs qui vont recevoir les ordres dans le sommeil, dans les visions, là même des visions diurnes. Ces cœurs recevront des ordres. Ces cœurs seront là pour toi parce que ton allié l'aura décidé. Cette année, l'année prochaine, il y a des cœurs qui vont se soumettre à ce que Dieu fera dans ta vie. J'entends une parole, c'est pour quelqu'un. Et peut-être même plusieurs. Il y a des gens qui t'ont combattu. Mais Dieu va donner des ordres. Je ne parle pas de quand tu vas aller prier. Je parle de maintenant et tout de suite. Parce qu'il s'agit de foi. Dieu va donner des ordres à ces hommes qui t'ont combattu. Il va ordonner au cœur de ces hommes-là de venir te faire du bien alors qu'autrefois ils t'ont combattu. N'aie pas peur de ce qui va arriver. Ne crains pas ce qui va arriver. Ça sera l'ordre de Dieu dans les cœurs de ces hommes-là. Ne dis pas, oh, vous venez pour m'empoisonner. Je te l'ai dit déjà du haut de la chair. Ils ne viendront pas pour t'empoisonner. Ils auront reçu l'ordre. Va servir cet homme. Va servir cette femme. Sers sa famille. Je prophétise et déclare que ton allié, celui qui va te frayer des issues rares et particulières, ça tombe sur toi. Dans tes ténèbres, il va frayer des issues. Il va frayer des chemins. Un chemin particulier. Un chemin rare. Le genre de chemin que tout le monde veut comprendre. Tout le monde veut savoir ce qui t'arrive. Ça va t'arriver cette année. Je ne parle pas aux gens qui m'entendent. Je parle aux personnes qui me comprennent. Cette année, ça va t'arriver. Il va frayer des chemins. Autour de toi, on doit dire bizarre. Les hommes diront c'est bizarre. Comment c'est arrivé, c'est bizarre. Lui ne pouvait pas avoir ce poste-là. Nous, on ne l'a pas aidé. Comment il a fait? Ils ne vont pas t'aider. Ton allié va toucher les cœurs des autres. Ils ne vont pas t'aider. Ton allié va localiser les autres. Ils ne vont pas t'aider. Mais ils vont te trouver dans ce bureau. Je veux parler. C'est pour les hommes de foi. C'est pour les femmes de foi. La prophétie plane. Pendant que je parle, les anges prennent et ils entrent dans la foule. Et ils déposent ça là où il y a la foi. Je déclare au nom de Jésus. Ils ne t'ont pas aidé à entrer dans ce bureau. Mais ils vont te trouver dans ce bureau. Ils ne t'ont pas aidé à entrer dans ce bureau-là. Mais ils vont te trouver assis là, en train de signer les documents, en train d'organiser les choses. Ils ne t'ont pas aidé, mais ton allié va t'aider. Ton allié a ses voies. Ton allié a son système. Ton allié va t'amener là. Dans cette famille-là, ils ne t'ont pas aidé à vivre certaines gloires. Mais ton allié te prendra du bas là où tu es. Et ton allié va te présenter devant les hommes. Dans cette famille, on saura que tu as un allié. Cet allié qui ne dépend pas de l'argent. Il ne dépend pas des matériels. Il ne dépend pas des vêtements. Il dépend de ta foi. Je veux voir la foi de quelqu'un. Je veux voir la foi de quelqu'un. Je veux voir la foi de quelqu'un. Ton allié dépend de la foi. Ils n'ont pas été là. Quand tu étais en larmes, ton allié va t'aider. Et ton allié va te présenter. Afin qu'il sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de ton allié. Ton allié va démontrer, oh God, ça c'est pour les astres. Ton allié va démontrer aux hommes. Cette année, merci Saint-Esprit. Pendant, avant même que je parle, je vois trois. Ça veut dire que ça va arriver sur une durée de 3 ans. Au nom de Jésus. C'est que les hommes n'imaginent pas qui peut t'arriver parce que tu es orphelin, parce que tu manques d'aide, parce que tu ne sais pas par où commencer. Dans l'espace de 3 ans, ton allié va démontrer aux hommes que tu as un père quelque part, que tu as une mère quelque part, que tu as un vaillant quelque part. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui confond les hommes. Ton allié va confondre les hommes. Ton allié va confondre l'intelligence des intelligents. Je parle.
Je suis dans la sphère prophétique, alors toi-même il faut entrer dedans. Ton allié va confondre l'intelligence des intelligents. Il va confondre la sagesse des sages. Et il va te positionner au milieu. Les hommes diront, tu n'es pas plus sage que nous. Ils diront, tu n'es pas plus intelligent que nous. Mais ton allié va te mettre là. Ils vont subir ta gloire. Ils vont subir ta présence. Ils vont subir ton autorité. Ils vont subir ton miracle. Ils vont subir ta visitation. Ton allié n'est pas un homme. Et ton allié ne fonctionne pas avec la sagesse des hommes. Ton allié va faire des choses étranges cette année. Ah, toi qui es là en train de nous regarder, tu seras là pour regarder le témoignage. Tu seras là pour écouter le témoignage. Ton allié, il va te placer sur un chemin. Là où on a dit dans ta famille, ça tombe sur moi quatre fois. Là où on a dit dans ta famille que personne ne passera par là et réussir. Personne n'entrera par là et réussir. Oh, les sorciers de la famille se sont levés depuis des années. Et ils ont dit, personne ne passera par cette voie et réussir. Mais je prophétise au nom de Jésus, à cause de la puissance de ton allié, toi tu vas passer, tu vas réussir. Toi tu vas entrer, tu vas réussir. Non seulement tu vas réussir, tu seras la tête. Non seulement tu vas réussir, tu seras le précurseur. Tu seras la précurseuse. Au nom de Jésus de Nazareth, non seulement tu vas réussir, mais tu seras un modèle pour les autres. Les autres sauront que les sorciers ne peuvent rien. Les marabouts ne peuvent rien. Les limites familiales ne peuvent rien. Ton allié est vivant. Saint-Esprit, lève la main droite. Nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Ton allié est véritable. Toute personne sur qui on avait dit dans les mondes des ténèbres que lui ne peut pas avoir une première grossesse et cet enfant grandir. Il faut d'abord que la première grossesse meure et ensuite avoir d'autres. Je déclare et prophétise. Ton allié est celui qui fait naître. Personne ne peut décider sur tes enfants. Personne ne peut décider sur la vie de tes enfants. Ton allié est celui qui fait naître. Tous tes enfants naîtront dans la paix. Je parlais. Tous tes enfants naîtront dans la paix. Tous tes enfants grandiront dans la paix. Tous tes enfants vieilliront dans la paix. Oh, tu n'enterreras aucun enfant. Tu n'enterreras aucun enfant. Abraham ne peut pas enterrer Isaac. Abraham ne peut pas enterrer Ismaël. C'est Isaac et Ismaël qui enterrent Abraham. Oh, tu n'enterreras aucun enfant. Tu as un allié. Ton allié veillera sur leurs pas. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Vas-y, prophétise sur ta propre vie. J'aime ta foi. Je sens que tu es dans l'atmosphère. J'aime ta foi. Je sens que tu navigues déjà dans l'atmosphère prophétique. Prophétise. Prophétise. Au nom de Jésus, prophétise. Ton allié est puissant. Ton allié est véritable. Ton allié n'est pas un homme. Ton allié n'est pas mortel. Ton allié est redoutable. Dans les combats, il a déjà fait ses preuves. Il est fidèle. C'est un champion, toute catégorie. Ton allié est vivant. Shekaya Rabastai, Robosakaya, Shitaya Bastai. Ton allié te donne la victoire quand tu es dans le sommeil. Ton allié te donne la victoire quand tu es endormi. Ton allié te donne la victoire quand tu es distrait. Shebebebebebestai, Rekaya Boshata, Rabasakaya. Notre force, notre confort, notre réconfort, notre stabilité, notre puissance. Saint-Esprit, c'est toi qui es notre puissance. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre force. Rebo Shakayaba, Rikaya, dans les ténèbres, tu es notre force. Dans les ténèbres, je nourris, Seigneur, ces pensées que tu es là. Tu es notre force, notre capacité. Tu es celui qui nous rend meilleurs. Tu es celui qui nous aide à traverser nos ténèbres. Nous ne chuterons pas. Nous ne mourrons pas dans ces ténèbres. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Shekayare, Shekayare, Robosata. Tu es vivant. Le Dieu de plusieurs grâces. Le Dieu des choses glorieuses. Le Dieu des choses étranges. Le Maître de notre salut. Merci Jésus.